Très bien. Mais là, là c'est, je vais vous le dire après, je ne vous le dis pas maintenant. Regardez, là je le mets là. Sur chaque panneau, il y a un point spirituel, regardez. Les piétons, le stop, le feu tricolore, et puis, selon la priorité. Je le mets là, bien grand compte. C'est quoi ça? Comment? La priorité à droite, on va voir. Il y en a beaucoup spirituels qui loupent la priorité à droite. Dans le monde, vous avez des points, des amendes. Écoutez bien, mais avec Dieu, c'est grave. Le klaxon, alors là, vous allez voir. Ah oui, le klaxon, c'est quelque chose. Prends le micro, voilà, prends le micro. Je prends le micro, voilà. Je vais lire un texte de la Bible pour que vous compreniez. Alors, je dis ça. Steve, Isaac, Abraham, John et tous les serviteurs de Dieu qu'ils ont chantés, Moïse, tous les frères qui sont là, Michael, Kevin, tous les frères prédicateurs. On ne fait pas un concours de messages. Non. Le but, je pose la question à Steve, lorsque tu prêches, est-ce que tu regardes un autre serviteur de Dieu? Le but, c'est quoi? Bénir le peuple. Et je crois que chacun serviteur de Dieu, je ne suis pas là, excusez-moi, pour dire qu'il parle fort, ou qu'il parle bien, ou qu'il prêche bien. Je ne prêche pas bien. C'est la parole de Dieu qui compte. Mais... vous comprenez? Alors, regardez ce que j'ai marqué là. Moi, je l'intéresse pas quand même. Hein. Regarde. Je t'assemble un petit peu maintenant. Écoute bien. Le respect de votre vie, de l'honnêteté et de notre sanctification dépend de nos propriétés, la priorité. Vous avez compris ce que j'ai dit là? Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Gloire à Dieu. Le respect de votre vie honnête et de votre sanctification, c'est la priorité. Alors on va parler de la propriété, la priorité. Le frère, il a chanté, il a parlé des stocks, des feux rouges, des plaquettes, tu tombes dans le message, quoi. Écoutez bien, j'aimerais vous dire ça. Et ensuite, on va rentrer dans le message. J'ai marqué le sens interdit, la combien de sens interdit, mon Isaac? Combien de stocks, priorité à droite? Alors, le psaume 119. Premier. Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel, heureux l'homme qui ont une conduite intègre, qui suivent dans leur vie la loi de l'Éternel. Celui qui garde les commandements et garde et se garde lui-même, celui qui veille pas sur sa conduite, mourra. Important, hein? Là, on parle de la conduite. J'ai passé le permis de conduire, je l'ai eu. Sans faute. Et je le dis quand même. L'inspecteur, c'était une femme. Elle a rigolé, elle m'a dit comme jamais de la vie. Et vous savez, après, j'ai reçu un message. Ils m'ont invité là, bientôt, à la préfecture pour avoir le message là. Ils ont dit que les élèves, ils ont besoin d'écouter ça. Donc, vous allez prier pour ça. Il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais vous dire tout simplement là, de notre conduite à nous. Celui qui garde, se garde, et puis qui veille sur sa conduite, s'il ne veille pas, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est pour ça que c'est la priorité de vivre une conduite agréable et vraie, la doctrine de la Bible. Et je vous avais, j'ai marqué le permis de conduire là, mais... dans le ciel, le chemin, il est le chemin, il est la vérité. Comment aller ta conduite? Dans quelle façon tu marches avec Dieu? Et puis j'aimerais te dire, j'aimerais vous avertir. C'est pas d'écouter, c'est pour nous d'écouter, mais il faut mettre en pratique. Et les séminaires là, j'aimerais que tu pars et tu calcules parce que c'est salutaire. Il y a trop d'habitude et l'habitude nous perd. On suit le mode de la vie. Il faut suivre la Bible, la parole de Dieu. Il ne faut pas suivre le monde. Pas du tout. Regardez ce que j'ai marqué. La priorité à droite. C'est ça. Donc j'ai marqué ici. C'est la parole de Dieu. Il y a trop de fausses doctrines aujourd'hui. Alors je dis, c'est la Bible, hein,
Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. La priorité, aujourd'hui, il y a des anges, il y en a qui font des titres. Dieu dit dans la Bible, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Elle doit rester à sa place. Elle ne peut pas prêcher une femme. C'est la Bible qui nous enseigne. Femme, mettez-vous sous là, c'est écrit, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est honnête, elle est vraie. Et on doit se conduire, pas comme les hommes, non. On prend des titres aujourd'hui. Je le dis, excusez-moi, je ne vais pas dire les gens, un titre comme ça, tout, on a le droit de tout, on fait ceci. Alors j'aimerais vous dire, pardonnez-moi, voyageur, gitan, homme, espagnol, manouche, cito, la parole de Dieu, elle n'est pas homme, elle n'est pas cito, elle n'est pas gitan, la parole de Dieu, c'est Dieu. Et ce qui est écrit, la doctrine, est tout pour tous les églises. Alors je fais ça. Non. On n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. La priorité, vous savez, si on loupe une priorité, il peut y avoir un danger de mort. Mais la parole de Dieu, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors c'est très important. Et puis on revient au message, et terrible, Seigneur, je le dis. Mais c'est qu'il lit. Tu lis Isaac, le psaume 119, 34. Écoutez bien. Abraham, dans ton message, bien, regardez comme c'est la parole de Dieu. Je n'ai pas une norme. Je vais la Bible. Elle est ici, c'est un peu de cette réduction. Personne n'a une norme. C'est ces Bibles-là. Catéchisme, là. Vas-y, catéchisme. De la carte. Tu l'as ? C'est quoi ? 119, 34. Oui, 119. 34. Donne-moi de l'intelligence pour que je garde ta loi. Vas-y. Et que j'observe. Vas-y. De tout mon cœur. Écoutez. Conduis-moi dans les sentiers de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes. Vas-y, continue. Et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Amen. Continue. Gloire à Dieu. Détourne. Le regard, il a parlé du regard. Des choses vaines. Il a parlé aussi du texte qui dit que Jésus, il voyait des arbres comme des hommes. Il voyait des troubles. Mais qu'est-ce que tu vois, toi ? Je voudrais te poser la question. La priorité à droite, c'est le seul propriété. C'est la Bible, la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu vois un château d'Espagne? Lui voyait des arbres comme des hommes. Est-ce que tu vois un château d'Espagne? Est-ce que tu vois une Ferrari? Qu'est-ce que tu vois? Vous savez, un jour, excusez-moi, vous allez peut-être rigoler. Il y avait une fille qui a fait, elle a fait un rêve de elle. Puis elle était vers l'autre, elle a dit, maman, quelle femme que j'étais. J'ai rêvé, j'étais une femme terrible. J'avais des yeux extraordinaires. J'étais belle. Et puis l'autre, il écoutait. Et puis d'un seul coup, il dit, tu t'as vu? T'as fait un cauchemar. J'aimerais vous dire, il y a des personnes qui font des cauchemars. Qui soient terribles, mais tu es ce que tu es. L'ennemi te fait des fausses visions. Regarde la parole de Dieu. Le regard sur la vie. Les frères, ils l'ont dit, ils l'ont prêché, poussé par le Saint-Esprit. Alors j'aimerais vous dire ce soir, j'ai marqué ici, je tourne mes yeux, il dit tourne les yeux vers les choses vaines. Je voudrais tourner les yeux vers la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que tu regardes? Ça sort du message, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que tu regardes? Le téléphone. Je vous pose la question. Je pourrais casser le téléphone là. Je vous pose la question, combien de temps tu regardes le téléphone? Combien de temps tu regardes la Bible? Amen. Amen. C'est important, sera ton cœur, sera ton trésor. La Bible, il y a des choses vaines. Tu regardes des choses qui n'est pas la gloire de Dieu. Les hommes ne te voient pas. Mais Dieu te voit. Il connaît tout, vous allez voir tout à l'heure. Le radar, le flash,
vie ne l'a pas changé. Dans l'ancien temps, elle est toujours pareille aujourd'hui. Elle n'est ni moderne, ni ancienne, la Bible. La Bible, c'est la Bible. Aujourd'hui, il y a des habitudes. On fait tout ce qu'on veut aujourd'hui. Des anniversaires coûteux. Vous m'avez trompé dans la Bible et les offrandes. Oh, je ne dis pas de ne pas faire un anniversaire. Mais trop, c'est trop. Alors, il y a des priorités. Il y a des sens interdits qu'il ne faut pas aller. Un domaine divers, je ne suis pas d'accord. Chrétien, pasteur, il n'a pas le droit de boire divers. Non, le témoignage, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Où sera ton cœur, sera ton trésor. C'est la Bible. Le code de la parole de Dieu, la conduite, comment quelle est ta conduite? Tout est permis. Non, pas tout est permis. Non, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Amen. Alors je passe assez vite. La priorité à droite. La Bible. Dérive ma priorité à droite. Il dit, il y aura à droite et à gauche. Comment qu'il est dit? Des brebis. À gauche et à droite. À droite, c'est le bon. Hein? La priorité à droite. Quel côté es-tu? Tu es à droite ou tu es à gauche? Tu ne vas pas franchir interdit de ton à gauche. Il y a des panneaux, vous avez vu? Interdit de ton à gauche. Si on tourne à gauche, il y a le gendarme, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Et puis il fait quoi? Pour s'éperverber. Mais dans la parole de Dieu. Des fois, on n'a pas le droit de tourner à gauche. Le regard, c'est terriblement, le regard, il revient. Le regard interdit. Tu ne dois pas combattre. Ayez les regards sur moi, dit la Bible. Amen. Sur la parole de Dieu. Amen. Oui, passez de l'union. Plus qu'on s'approche de lui, et je le dis devant Dieu, je ne me montre pas, je ne suis rien. Mais plus que je m'approche de lui, plus que je prie, plus que je lis la Bible, elle pénètre mon cœur. Plus qu'on en veut, bien plus qu'on sera béni, mais plus qu'on agira, qu'on fera des affections spirituelles, alors on sera toujours faible. Alors c'est pour ça, quand il dit, sera ton cœur, sera ton trésor, réjouis-toi, ton âme. Les greniers sont pleins, ton âme te sera redemandée. Comme demain, on ne sait pas ce qui se passe. Alors je passe. Marquez ici le passage piéton. Tu pourrais dire quoi, ce passage piéton, toi? Terrible, hein? Il n'y a qu'un bizarre comme moi. Passage piéton. Elle est là. Alors vous allez rigoler. Comme j'ai pour la conduite, là. Il passe un piéton. Je l'ai pas vu. Afin, il m'a dit. Maintenant, je crois que vous Afin. Elle dit, vous l'avez vu? J'ai dit, non, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, je l'ai pas regardé. J'ai pas regardé à droite. Elle a vu, elle a commencé à rigoler, la gratuite. Elle a freiné pourtant. Et là, j'ai marqué ça, là, ici. Le passage piéton, le respect. Le respect des anciens. Amen. Le respect de la parole de Dieu. Ah oui, mes frères. Un jeune aujourd'hui, il n'a plus de respect que l'ancien. Il ne se lève même plus. Comme une réunion, l'autre dimanche, chingon, le téléphone. Mais qui es-tu? Ta parole. C'est la maison de Dieu ici. C'est la parole de Dieu. On n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Oui, le respect, puis excusez-moi, l'habillement. Bizarre, c'est comme ça, mon frère. Amen. Dans le ciel, attention, hein. Elle va tout à l'heure. On va venir là. Le respect, la liberté, c'est des sœurs. On doit s'habiller modeste. Amen. Faire attention. On ne fait plus comme le monde. On n'est plus comme le monde. On ne marche plus comme le monde. Mais non, les choses n'ont pas dépassé. Il faut faire attention. Alors le respect. Putain, oui. Je suis un homme, je suis un gitan, je suis un mandou, je suis un voyageur. Je suis tout, ou les suis tout. Et puis on a le respect des anciens, ouais. Amen. Ton père, excusez-moi, ta mère, lorsqu'il y a un vieil, qui vient un vieux d'un âge, il y en a un qui part. Et moi, ça me tue, ça, mon Isaac. On met la petite campine derrière un buisson. Puis on emmène un plat, comme on emmène un commis. Non! C'est ta mère qui t'a mis au monde. On doit respecter nos enfants, nos parents. Je vous dis devant Dieu, je n'ai plus mes parents.
Je pense toujours à eux, comme ma mère me prenait dans les bras. Je pense à mon père qui est sauvé du Seigneur. Je n'ai pas assez à faire assez. Je n'ai pas fait assez. Gloire à Dieu. On était jeunes, on a fait une misère à notre père. On doit respecter notre père. Notre père. Mieux que n'importe qui me dit la plus belle table. Le respect. Aujourd'hui, ayez le respect des serviteurs de Dieu. Je vous le dis, hein. Excusez-moi. Amen. Je suis comme ça. Amen. Quand je m'élevais pour servir le Seigneur, un serviteur de Dieu pour moi c'était Jésus. Il m'arrive mis avant, comme ça. Il m'arrive mis à plein vent. Et il arrive, il marche à plein vent, je l'aurais fait. Il m'arrive dit, va là-bas, au bout là-bas, fais 4 km, moins de moins de pierre, je l'aurais fait. Puis aujourd'hui, le respect des étudiants, excusez-moi. L'ancien dit, tu peux pas m'emmener ça là-bas. Ah, t'as qu'à y aller, toi. Il n'y a plus de respect. Alors, le passage piéton, j'aimerais vous dire, ensemble, ce soir, la parole de Dieu, elle doit pénétrer nos cœurs, pas seulement nous écouter, mais la mettre en pratique. Alors, je passe. J'arrive. Le stop. Alors, le stop, c'est important. Stop! Si tu ne t'arrêtes pas, tu peux, tu t'enlèves, t'es mort. Alors, il y a des stops à faire. J'ai pas le droit, ah, je vais stopper. Mais il y en a qui disent, non, t'as le droit, il n'y a rien. Tu avances, il n'y a jamais de tisté, t'es pas vu, il n'y a pas de flash, il n'y a rien du tout. Passe! Vas-y, t'es tout seul, signe. Vas-y, déclare-moi le terrain. Je signe. Je jette 50 000, déclare-le à 10 000. Allez. Ça passe, vous allez voir en haut après. Personne ne vous a vu. Lorsque tu prends l'autoroute, c'est à la fin que tu payes. Hein. Détrompez-vous pas, on peut tromper les hommes, on ne trompe pas Dieu. Amen. Vous m'avez trompé dans les dîmes, les offrandes. On vous l'a dit tout à l'heure, on fait tout. On achète des chaussures à tel les prix qu'on nous a donné. C'est un cadeau qu'on m'a fait. Je le remercie. Écoutez bien, on achète. Je vous dis ça. Il n'y a pas un. Il nous m'a dit, là, il n'y a pas quelque chose de bizarre, papa. Tu achètes une belle souris à ta fille, t'as le droit, hein. 500 euros, et tu mets un euro dans l'œuvre de Dieu. Oh, tu franchis la loi, là. Ou tu m'avais trompé. Dans la Bible, les deux francs. Faut faire attention, il y a un code, il y a la Bible, il y a la parole de Dieu. C'est que je la franchis. Mais il y a des points enlevés, il y a des procès, il y a là. Attention. Si tu continues le salaire, c'est la mort. Il y a l'accident derrière. Il faut faire attention. Le stop, faut arrêter. Qu'est-ce qui se passe là? Devant une cliente, ah voilà. Passe. J'ai un produit, madame, un produit miracle. C'est Jésus le miracle, c'est pas le produit. Hein. C'est un produit miracle. C'est terrible. Vous allez voir, c'est terrible. Qu'est-ce que c'est? C'est un produit. C'est un produit, dis-le, c'est l'éternel. Non, il ne dit pas, c'est un produit. Il n'y a pas de demi-vérité, il n'y a pas de demi-mensonge. La vérité, c'est la vérité. Alors je vous le dis, hein, j'ai oublié, je vous le dis tout de suite, là. Si on ne met pas notre ceinture, en procès, hein, mais mettez votre ceinture de vérité, là. La ceinture de vérité, stop! La ceinture de vérité. C'est vrai, le jour, ça m'arrive, écoutez bien. On m'a appelé, j'avais besoin, je restais, ça fait longtemps, j'avais pas permis, je n'ai plus de l'eau et plus rien. Et puis il y a un garçon qui m'a appelé, un chrétien, il m'a appelé, et puis il a dit, j'ai une maison à faire, j'ai un toit, je ne veux pas les trois mois. Mon Dieu, il m'a sorti de mon affaire, ce homme-là, c'est un chrétien. Et puis d'un seul coup, il m'envoie un virement. Il me téléphone quelques jours après, il dit, la banque avait une faute dehors, je suis obligé de me faire une facture, comme quoi tu m'as vendu du matériel. Je dis, mon frère, je suis un chrétien, moi. Je ne peux pas te faire de fausses factures. Même qu'elle fout dehors la banque, je m'en fous. Mais je ne peux pas mentir pour toi. Et là, il s'est repris. Ah oui, on est des chrétiens, on n'a pas le droit de faire. Vous comprenez bien. Des fois, il est tellement l'ennemi pour franchir là. On passe à côté. Là, je le relis le texte. Heureux dont la conduite est intègre. On doit dire la vérité, même devant le fait. Amen. Alors, on montre le produit. Il y a une tuile qui est bougée, madame, là-bas. Mais tu n'as pas besoin de mentir. Il nourrit des petits oiseaux dans le ciel, dit la Bible.
Pourquoi tu mens? Pourquoi tu n'as pas de sourd demain? Et puis ça va aller loin après le mensonge. Il y a le stop pour faire attention. Il faut stopper au mensonge. Stopper le regard du téléphone. Même dans les réunions, ils ont le téléphone. Je sais qu'il faut le téléphone pour travailler, mais il y a des choses qu'on n'a pas besoin. Il y a des choses qui nous empirent. On l'a sous le cœur, le téléphone. On l'a sous le cœur et puis on le garde. 3 heures, 4 heures, 6 heures. La Bible, la parole de Dieu, il faut stopper, il faut arrêter. Alors, il y a le caractère aussi, hein. Faut stopper. Rappelez-vous, dans l'évangile, il est écrit le texte, le vin est en manquant. L'eau, il manquait là, le vin était manquant, il va changer. Je veux te poser la question, qu'est-ce qui te manque? Ton caractère, ta vie, elle est pas stable. À cause de, jusqu'à quand vous clochez des deux côtés? Elle n'est pas stable, ta vie, ton caractère, il est violent, j'ai un caractère, je suis la famille d'un tel et d'un tel. Tu es la famille de Dieu. Amen. Mais t'as besoin de revenir à la parole de Dieu. D'écouter, de mettre en pratique. Il ne faut pas assez pour l'écouter, d'élever la main, d'élever les pieds, d'élever la tête. Mais non, c'est son cœur qu'il faut élever. Il faut mettre en pratique. On vit dans les temps de la fin, les frères, ils l'ont enseigné. Ils l'ont dit qu'il est là, bientôt à la maison, mais pour aller à la maison, il faut stopper. Il ne faut pas rentrer dans les sens interdits. Spirituellement, vous avez compris. Alors, j'aimerais passer assez vite. Je passe. Vous voulez qu'on arrive aux personnes, là? On arrive aux personnes? Permis de conduire. Interdit de klaxonner. Celui qui parle beaucoup manque pas de péché. Les querelles, ça excite la haine. Les cris. Écoutez bien. Il doit sortir de votre bouche. Aucune mauvaise parole à ceux qui entendent, afin de communiquer la grâce à ceux qui entendent. On doit faire attention à ce qu'on dit. Le trône, le ciel est son trône, la terre est son marchepied. On dit n'importe quoi. On jure sur n'importe quoi. Le klaxon, là, non. Alors, vous savez, hein, le peuple qu'on est, ça va vite. Hein. Les bonnes choses, on ne les dit pas, mais les mauvaises choses, ça va vite. Tout de suite, le farine a fait ça, on met les comme ça. Mais... Klaxon, le bruit, les querelles. Écoutez bien, il y a un cantique que j'aime bien, qui dit que les petits sont toujours dans ses bras. Ce cantique qui chante en qui, là? Comment? Monsieur Dupont. Il a toujours les petits sur ses bras. Avant, c'était un buveur. Les carreaux étaient cassés. Alors, je ne dis pas en cocher peine. Personne ne s'arrêtait à côté de lui. Mais lorsqu'on se convertit à l'évangile, lorsqu'on vient chrétien, logiquement, normalement, on ne dit plus de vilaines paroles. Le klaxon, là. Au bout, il attendons là-bas le bruit. Les batailles. Quelques enfants. Mais lorsqu'on est chrétien, il joue de la guitare et vous entendez prier. Vous comprenez ça? Qu'on peut être gitan, manouche, voyageur, homme, c'est la doctrine, la parole de Dieu. Les séminaires, c'est pour avertir. La parole de Dieu, c'est pour avertir. Alors, comment, quelle est ta conduite? Qu'est-ce que tu manques dans ta vie? Et ce soir, j'aimerais te dire tout simplement, vous savez, je ne veux pas faire lever personne, mais de prendre une décision. Une décision. Parce que vous savez, c'est terrible ça, j'ai marqué ici, là. Quelle triste mort de mourir prioritaire. Ça veut dire quoi? Isaac, ça veut dire quoi? De mourir prioritaire. Quelle triste mort. Vous savez pourquoi on veut avoir toujours raison? On est prioritaire, on a le droit. On a le droit de tout faire. Non, on n'a pas le droit de tout faire. Quel triste salaire du péché, c'est la mort. Mais c'est pas possible. Tu n'as pas le droit de tout faire, mon frère. Mais non, je le redis encore, on ne doit pas regarder tout. Et excusez-moi le respect que je vous dois. Le respect que je vous dois de tout mon cœur. J'ai un respect, moi, pour les anciens comme pour les jeunes. Parce que la parole de Dieu, on ne doit pas tout regarder. Non. Un regard, deuxième, troisième, non. Il faut faire attention.
c'est dans, dans les téléphones là, et je reviens là. On m'a dit des choses terribles. Je crois pas que c'est vrai. Tu crois que c'est vrai, Abraham, ça, toi? Abraham, tu crois que c'est vrai, ça, toi? Qui disons dans le téléphone, qui regarde n'importe quoi, des choses diaboliques. Je le dis, diabolique. Mais un chrétien n'a pas le droit, mon frère, à moi. Regarde les matières, regarde les réunions, je suis d'accord, la parole de Dieu, je suis d'accord. Mais il y a des limites à faire. Alors, quelle triste mort de mourir prioritaire, j'ai le droit de tout. Mais non, on n'a pas le droit de tout. C'est Jésus la vérité. On ne peut pas passer à côté, c'est impossible au monde. Alors, la côte de la route spirituelle, il y a des sens interdits là. Il y a des passions. Je veux bien qu'il y ait des passions. Aucune passion n'est jetée à l'autre, comme tu dit la Bible. Celui qui fait des efforts. Moi, je comprends, Isaac. Il faut du temps. Il m'a fallu un an, moi. Il m'a fallu un an pour choisir de me libérer du tabac. Un an de temps. Alors, je ne vous dis pas, vous voyez, je suis un garçon nerveux. Alors, quand je n'étais pas converti, la tabac, allez. Tellement que j'étais nerveux. Je ne fumais pas. Elle me mettait à m'emmener le manger, la tabac sautait par le carreau. Tellement que je n'arrivais pas. Puis un jour, je peux le dire, témoignage, je peux le dire, vous allez rigoler. Le pasteur, il dit, Abraham, celui qui veut jeûner pour recevoir la délivrance, vient à une heure à la réunion, c'était le dimanche. Et puis je vais à la réunion, moi. Et puis on sort de la réunion, je monte vers mon beau-père. Parle de ça, il y a bien longtemps. Il était en train de manger. Et il dit, sur moi, mange. Je dis, non, je jeûne. Ah, tu jeûnes? Oui, je jeûne. Et puis dans ma poche, je sors avec une cigarette. Je prends la cigarette, puis j'arrête comme ça. Je fume. Il commence à rigoler, toute la table, il connaissait la Bible, lui. Il rigole tous. Me v'la verser. Je regarde comme ça, là, il rigolait toujours. J'ai mis la main dans le paquet de cigarettes, j'ai rien dit. C'est comme si vous mettez un coup d'épée dans le ventre, le respect que je vous dois. J'ai sorti dehors, j'ai pas jeté le paquet de cigarettes. J'ai été délivré sans les mains. Vous comprenez, c'est difficile des fois. Je comprends les gens qui fument, mais qui font des efforts. Amen. La délivrance. Amen. Alors il y a des stops, il y a des sens interdits, comprends. On n'a pas le droit de prendre. Moi, je comprends. Qu'est-ce qu'on est là le soir? Personne ne le voit. Vous allez voir, on va dire tout à l'heure. Ça va, je ne suis pas trop long. Amen. Amen. Écoutez bien. Et puis c'est là la porte entière. Il faut stopper. Il y a un sens interdit, je ne peux pas le prendre. J'ai une conduite. Je suis un chrétien, je suis un enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit. Alors là, je viens, Isaac, pardonne-moi, même qu'on est serviteur de Dieu, pas arrivé que le Saint-Esprit te reprenait. Ah oui, bien sûr. Abraham, tu n'as pas repris le Saint-Esprit? Les frères, Kevin, qui est Kevin? Il n'est pas là, c'est pas grave. Il est là-bas. Le Saint-Esprit t'a repris des fois? Et toi, Miguel? Ben moi, je vous le dis, le Saint-Esprit, quel trage que j'ai. Comme il m'opprouve, Seigneur Jésus. Tout de suite, pardon. Et des fois, on tape sur le volant. Des fois, on dit une vilaine parole. Et on crie qu'un gageot. Je suis parti, je reviens. Et je me pardon, gageot. On est repris. Alors, je voulais vous dire, le Saint-Esprit est merveilleux. Il reprend, il conduit, amen. Il dirige. Et puis, ce soir, là, Seigneur, je veux faire, moi. Je ne veux pas que vivre selon la chair, mais selon l'esprit. Oui, la chair, elle a des désirs contraires à l'esprit. Et c'est pour ça que je reviens encore toute la semaine, les frères qui ont prêché là, sur l'angoir, sur les regards, et ça revient. Et puis là, c'est le code de la route, mais spirituellement, on va relire le texte tout à l'heure. Et puis j'arrive. Je vais arrêter. J'arrive au radar. Alors dites-moi le premier radar, il a combien? 50, 30. Le deuxième? 50, le troisième. 66. Comment? 70. 70. Le quatrième. 90. Le cinquième. 110. Le sixième. 130. Écoutez bien. Alors, il y a six fois là. Combien de radars tu peux franchir spirituel? Si je passe à 50, le flash. Affiché ta partie. De la Bretagne, ils sont fiers d'être Rennes. Il est de Rennes, lui. Il vient à Paris, 6 mois après, monsieur, il reçoit un petit papier. Affraction. Vous avez passé un radar, mais je suis breton, vous habitez à Paris.
Vous pouvez pas, me rappelle plus, monsieur, moi. Sors le flash, le bout blanc, un maillot bleu, directement. Le flash, il l'a vu. Excusez-moi. Le flash de Dieu. Quand je franchis, hop, le flash. Ça, c'est la querelle. Tu parles, c'est la sœur. Ça va, ma sœur? Ça va bien? Oui, ça va bien. Pardon, je veux pas la décarte. Le flash. Amen. Le flash de Dieu te voit. Tu es tout seul. Tu convoites l'autre. Tu le convoites de son auto. Je vais vous expliquer quelque chose, vous allez rigoler. Et je reste toujours sur le flash. Un jour, il y a un garçon, il a touché le loto. J'ai vu au moins 20 millions d'euros. Les gars, ils sont tombés à 20 millions d'euros. L'autre, il travaille, c'est son cousin Germain, il fait de la peinture. Il fait un coup de tri dans le pot de peinture. Il arrive sur la place, et moi, je suis derrière, je le vois. Il est. Il est en colère. Et puis, d'un seul coup, il fait les 100 par le garçon. Là. C'est son cousin Germain, il doit se réjouir, lui. Puis, d'un seul coup, c'est un cauchemar, c'était pas vrai. Et puis le garçon, je le vois, je l'écoute, je suis derrière. Ah, oh, je suis soulagé. Merci à Dieu que c'est pas vrai. Écoutez bien, il y en a qui sont jaloux de la misère des autres. Ils combattent, mais tant mieux, s'il a un Range Rover ou s'il a une Porsche, que Dieu le bénisse. Combatte pas. Si tu manges là, puis son lit avec du lard, mais contente-toi. J'ai une vieille Clio, moi. À Philippe, c'est les Roms qui me l'ont payé. Merci, le frère. A fait du bruit de tous les côtés, l'embrayage patine. Mais Seigneur, quelle paix qui est dans mon cœur. Vous comprenez ça, je vous dis, j'ai la paix dans mon cœur. C'est pas la Porsche qui va me donner la joie, c'est le salut qui donne la joie. Vous comprenez ça? Alors j'ai pu vous dire, de radar. Oh, tu as trompé Dieu dans les offrandes. Garde ça. Pourtant, hein, quelle crainte, quelle peur. Je sais que vous avez peur de Dieu, mais ça ne peut pas passer comme ça, c'est impossible. Le flash de fume de ta vie. De flash, là. Je passe 5 ans, 4 fois que je salue. 1, 2, 3, 4 verres, 5 verres, 4 fois que je salue. Ah ben oui, 5 verres, mon ami. T'as bu 5, 2 Ricard, 3 rouges, et tu bois un calva après. C'est moi qui pété. Ah ben oui, hein. Automatiquement, puis le témoignage, le flash, clac, il s'allume. Ben oui, je suis un pasteur, je prêche terrible. Oh, comment tu prêches, mon homme? Prêche terrible! J'ai bien prêché, hein, oui, j'ai bien prêché. Mettez-moi un rigard, monsieur. On va voir un autre verre là-bas. Mettez-moi un client. Ah, je connais tout Ziata là-bas. On va juste les deux personnes, des personnes. Mettez-moi un champagne. Je connais de la jubilaire là-bas. Une jubilaire. Deux jubilaires. Maman, dans le Nord, elle est bonne la jubilaire. Hein. Elle mousse. Et ça va mousser, donc, parce que vous allez voir. Ça va mousser après. Croyez-moi, non sûr. Et d'un seul coup, le flash, tac. Et puis tu viens, toi. Jésus vous aime. Je prêche. J'ai vu d'hiver. Mais excusez-moi, il y en a comme ça. Moi, je mets pas de tomate, hein. Pas du tout. Le chrétien, comme le pasteur, il doit marcher dans la conduite de Dieu. Il n'y a pas de favoritisme. Abraham, tu rigoles, mais. C'est important, c'est très important. On doit reprendre l'enfer, c'est tout bâton fait qui pèse, va reprendre-le. Je ne reprends pas avec un bâton, avec l'amour de Dieu. J'avertis, sentinelle, avertissez. Et puis il faut avertir, c'est pour ça aujourd'hui. Pourquoi le flash? Pourquoi le flash? Dans beaucoup de choses. Un jour, vous allez peut-être rigoler encore. Je prêchais, je suis bizarre. Je suis bizarre, c'est bizarre, bizarre. Pas bon droit, comme ça. C'était un dimanche, c'était très chaud, on fait la réunion dehors, sous les arbres. J'avais mon petit camping comme ça. Je prêchais sur une cuvette d'eau, une cuvette d'huile et deux éponges. Bizarre, hein? L'éponge dans l'eau, tout seul. Pas rempli. C'est le monde. Le monde vous remplit. Interdit. Et il n'est pas le monde, ni les choses dans le monde. Il ne faut pas aimer le monde. L'amour du Père des points en lui, c'est écrit. Et si vous mettez
L'éponge en l'huile, remplie, vous la mettez dans l'eau, le repas. Terrible monde. Et puis vous savez ce que j'ai fait avec l'éponge? J'ai mis dans le camping. Et je le frottais. Tout le monde, regardez, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez quelque chose, vous, là? Non? Vous voyez pas la tâche? Non? Je vous la verrai pas, la tâche, chez moi, la tâche. Vous comprenez ça? Il y a des gens, c'est pas vous avez besoin d'être sale, c'est propre. Une fois, j'étais dans mission, je fais comme le frère serviteur de Dieu, je passais dans les campings. Le matin, une femme a pleuré, elle était devant le verre, elle pleurait au secours. Je croyais que son homme l'avait tapé, moi. Si, ma petite, qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai pas fait les affaires, c'est tout ça, dans mon camping, à pleurer. J'ai monté dans le camping, j'ai manqué de tomber par terre, tellement que j'étais désiré. Faire attention, pas d'être sale, d'être propre, mais faut pas s'asseoir un toc non plus, hein. Bien, oui, le flash, clac. Je loupe la réunion pour nettoyer. À 5h du matin, tu te lèves pour nettoyer ton camping. Il y a de la poussière et t'es pas capable de te lever pour prier. Alors, il y a une résolution, là, mes frères. Il y a de la puce, ça va pas. Tout est permis, mais rien n'est utile. Il faut faire attention. On mange comme tout le monde, on boit un verre comme tout le monde. Mais il faut pas d'abus. Le cœur de la Bible, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Le flash, là, pas possible. Il veille sur toi la nuit. Il dort, il ne veille, il dort, il ne sommeille, celui qui garde ses enfants. Il te voit. L'œil de Dieu parcourt la terre. Alors si j'ai franchi quelque chose, une infraction spirituelle, alors, pas comme un cristaux, hein. Pas des points enlevés, plus de permis. Le salut va t'enlever. Celui qui avoue ses fautes et qui les délaisse, obtient miséricorde. Ça c'est Jésus, c'est l'amour de Jésus. Il t'accuse pas, faut demander pardon. Et puis il faut plus recommencer. Pourquoi je le disais tout à l'heure, pourquoi les séminaires? Que Dieu te bénisse, Miguel et Kevin et tous les frères qui ont participé. Il faut en faire des séminaires. Le code que j'ai passé, moi, j'ai passé des nuits, pour que je l'apprends. J'avais des habitudes, j'étais une mauvaise conduite. Peut-être tu as eu des habitudes, des mauvaises conduites spirituelles. Tu parles trop, tu parles sur les autres. Tu mens, tu dis pas toujours la vérité. Les sens interdits, les stop. Et puis celui-là, là. Celui-là, c'est j'ai la priorité. Vous connaissez ce panneau-là, là, hein? C'est la grande route, là, j'ai la propriété. Il n'y a rien qui peut m'arriver. Attention. Tout peut arriver. Le diable, c'est un filou, c'est un menteur, c'est un malin. Il peut te mettre sur la grande route, il peut te mettre quelque chose pour te faire arrêter. Il veut que tu franchis sans s'interdire ce que tu n'as pas le droit de faire. Où m'avez trompé? Est-ce que tu fais ta dîme? Est-ce que tu donnes ton offrande? Je sais qu'on est large, je suis pas à côté, et puis on ne montre pas le billet comme ça. Mais non, ce que tu fais de la main droite que ta main gauche, je ne le sache pas. Amen. Mais c'est pour ça que la Bible, la sanctification, j'ai marqué ici, là. Au départ, où j'ai marqué? Le respect de votre vie honnête, c'est votre sanctification, c'est la priorité. Il y a une seule chose qui compte. C'est de marcher honnêtement dans la sanctification. Progrès sont progrès, meilleurs sont meilleurs. Pas des habitudes. Aujourd'hui, les anniversaires, alors les apéritifs. Hein? Alors là, je viens. Vous voyez, c'est quoi ça? Un sens interdit. Mariage! T'as le droit de marier ton fils et ta fille, c'est marqué dans la Bible. Il a même changé le roumain. J'ai le droit. Attention, mariage coûteux. 50 000, 150 000 euros, 200 000 euros, un chrétien. C'est interdit. Alors, je ne sais pas, vous allez rigoler. C'est le mariage, là. C'est ma nièce. Je pense bien. Un petit pas, hein. Je danse. Comprenez bien. Je danse une petite danse, je suis là. Bye way. Ah, comment je fais le pas? J'ai rien. Je franchis le pas. C'est un mariage. Bye way. La King Cole. Frank Sinatra. Quel beau cantique. C'est interdit. Sans interdit. Je suis pasteur, c'est ma nièce. J'ai resté jusqu'à 5h du matin. T'as pas le droit. Non. T'as pas le droit de rester.
Tu m'as montré témoignage aux autres. Amen. Je suis un serviteur, je suis berger, et je ne dois pas faire comme les autres. Amen. Et les chrétiens doivent faire pareil. Amen. On a pris les habitudes. Amen. On souille. La Bible, c'est la Bible. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour la Bible. Pas franchir les interdits. Et puis vous allez. Là, j'avais le cœur qui me battait. Quand j'ai passé le permis, la conduite, là, Jésus qui l'envoie sur eux. J'ai eu une peur terrible. Je tremblais. Puis d'un seul coup, Seigneur m'a ouvert mon cœur. Mais c'est pas cette tragédie-là qui va me faire peur. C'est pas possible. J'ai commencé à pleurer, Toto. J'ai pu regarder la voiture, ça m'a fait rigoler. Et puis j'ai eu le permis. Mais j'aimerais vous dire, t'as rien besoin de repasser le permis spirituel. Amen. D'abord, t'as rien besoin d'être, d'aller vers le moniteur, le Saint-Esprit. Amen. T'as rien besoin de passer le code spirituel. T'as besoin de lire la Bible. Alléluia. Quelle beauté la Bible. Je me rappelle avec une bougie, à le fonder la bougie. Et puis je me retourne dormir en paix. Quand je lisais la Bible, ou c'est qu'on voit aujourd'hui, de lire la Bible, de dormir sur la Bible. Téléphone, télévision, c'est interdit. Il y a des choses interdites, mes frères. Tout est permis, mais rien n'est utile. Alors c'est pour ça, la vie de Dieu, la vie chrétienne, le flash. Écoute-moi bien. Je laisse passer Jésus devant moi. Je n'ai jamais fait devant Jésus, Isaac. Abraham, jamais je marche devant lui. Je le laisse marcher devant. Et puis tu regardes à toi, avant-hier, il y a 10 jours, dans le pays que tu es, le flash, quasi s'enflasher. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as eu des mauvaises pensées. Interdit. J'ai crié le stop. J'ai eu des pensées qui n'étaient pas bonnes. Mais le moniteur, le Saint-Esprit, il convainc de justice, de péché. Il te rappelle. Et Jésus pardonne. Tout simplement, je voudrais dans cette journée-là que ce message, la parole de Dieu, que tu vous écoutez, la Bible, tous les frères qui ont fléché, j'aimerais vous dire, et je lis le texte, je le relis encore, le psaume 119, 37, détournez vos yeux de la vue des choses vaines.